Bonjour mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un moelleux chocolat mascarpone. Pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir, ici moi c'est du chocolat noir, auquel je suis venue mettre 250 g de mascarpone et on va le faire fondre ensemble. J'ai ici dans un grand saladier 4 jaunes d'œufs et j'ai battu d'avance mes blancs en neige. Et à nos 4 jaunes d'œufs, on vient ajouter 100 g de sucre. Et on va venir faire blanchir nos œufs. Voilà, on se retrouve. J'ai fait fondre mon chocolat. Je suis juste venue mélanger le mascarpone pour vérifier que tout était bien fondu. Donc là, c'est parfait. On va venir ajouter notre mélange chocolat mascarpone à notre base. Il ne reste qu'à venir mélanger. Il reste à ajouter 80 g de farine. Donc je suis venue monter mes 4 blancs d'œufs avec une pointe de sel. Et on va commencer par en ajouter une petite partie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter délicatement le reste de nos blancs avec peu d'ingrédients. Je suis venue prendre un moule de 20 cm à charnière. Ce n'est pas obligatoire. Et on va venir couler. Donc là on est parti, 180 degrés, on est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson. Et voilà, on se retrouve, j'ai laissé refroidir mon gâteau, je l'ai démoulé et je l'ai mis sur une assiette. Je suis venue le découper et vous voyez que moi j'ai choisi d'arrêter la cuisson à 20 minutes pour avoir ce côté pointe légèrement coulante. Il se tient mais on voit que c'est fondant au bout de la pointe. C'est un choix, si vous le voulez plus cuit, vous rajoutez 5 bonnes minutes de cuisson. Mais regardez-moi ce moelleux légèrement coulant, superbe. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.